Et bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo de ma série spéciale consacrée aux signes de reconnaissance. Alors l'idée de cette vidéo, avant de te parler d'économie de signes de reconnaissance, ça sera le thème des prochaines vidéos, j'avais envie quand même de poser les bases pour être sûr qu'on parle les deux de la même chose quand on parle de SDR. Donc quand je dis SDR, c'est signe de reconnaissance. Donc un SDR, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de produire une action qui va amener à reconnaître l'autre être humain en face de toi. C'est une façon d'octroyer de l'importance, de l'attention et de la valeur. Les signes de reconnaissance, c'est une sorte d'énergie vitale que nous allons échanger les uns avec les autres tout au long de notre vie. Ils renforcent notre estime de nous-mêmes, développent notre confiance en soi et nous renseignent sur ce qui est ok ou non ok de dire dans certaines situations. Alors il y en a plusieurs types, plusieurs genres à utiliser suivant les situations. Pour commencer, il peut être verbal. Hey salut! Ou non verbal. Il peut être également positif. C'est top. Ou alors négatif. C'est pas super là. Et pour finir les deux grandes catégories restantes, il peut être conditionnel. Donc axé sur un comportement ou sur quelque chose que quelqu'un possède. Ta nouvelle voiture là, elle est nickel. Ou alors inconditionnel, axé sur la personne elle-même, sur son être. Hey, toi derrière ton écran, t'es vraiment quelqu'un d'incroyable. Et après, bien sûr, on peut imaginer des combinaisons. Par exemple, verbal, négatif, conditionnel. Monsieur Mélide, le dossier là que je vous ai demandé, il est pas complet. Il manque toute la conclusion. Du coup, il faudrait me le refaire, enfin en tout cas me rajouter la conclusion pour lundi. Merci. Alors le négatif conditionnel est très utile pour donner un axe d'amélioration. Pour pouvoir dire ce qui ne va pas, mais toujours en étant conditionné par quelque chose, par un comportement, en l'occurrence par le dossier, par la qualité du dossier. Ce qu'il faut éviter de faire et ce qui est très destructeur, ce serait de changer ce SDR verbal négatif conditionnel en verbal négatif inconditionnel. Monsieur Mélide, le dossier que je vous ai donné à faire, il n'est pas complet. Il manque toute la conclusion. Vous êtes nul. Ah, je suis désolé, mais vous arriverez à rien comme ça, à rien du tout. Là-dedans, le SDR est basé sur la personne, donc le fait qu'il est nul, et ceci peut faire beaucoup de dégâts. Après, quelque chose un peu plus joyeux, on peut faire un mix SDR, verbal, positif, conditionnel. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Monsieur Mélide, le dossier que je vous avais donné à faire, je l'ai lu, et super, hein. Complet, bien structuré, j'ai beaucoup aimé la conclusion, bravo, hein, vraiment. Alors ça fait plaisir, bien sûr, c'est des compliments que l'on entend relativement souvent, surtout dans le monde professionnel, mais tu peux aller encore plus loin avec le SDR verbal positif inconditionnel. Et celui-là, il est très souvent oublié, surtout dans les situations professionnelles. Et pourtant, il est clairement nécessaire. Hey Mélide, je voulais te dire un truc que je t'ai jamais dit, mais je suis vraiment fier et heureux d'avoir un collègue comme toi. Eh oui, il fait du bien celui-là. T'y penseras lundi en arrivant au boulot, tu pourras en distribuer quelques-uns. C'est gratuit de toute façon. Et voilà pour la base les amis, cette vidéo était courte, c'était fait exprès, c'était juste pour reposer le cadre, être sûr qu'on parle les deux de la même chose, et la semaine prochaine ou celle d'après, on pourra entrer dans le vif du sujet. Car le but de cette série, c'est que je puisse t'aider à mieux gérer cette économie de signes de reconnaissance. Donc tu peux déjà réfléchir de ton côté pour les prochaines vidéos avec les différents types d'économies de signes de reconnaissance. Est-ce qu'il y en a certaines dont tu n'es pas forcément à l'aise avec? Donc je le rappelle, il y en a 5, les demander, les accepter, les refuser, les donner, sans donner à soi-même. Je te souhaite une bonne réflexion et d'ici là, il ne me reste qu'à te souhaiter, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine, bye bye!